Shantae, half genie hero. Boop. Bonjour et bienvenue dans ça, dans Shantae. Et aujourd'hui, on va... J'espère que j'ai réglé mon problème de bouton fantôme, parce que ça rendait le truc injouable. Et on va battre un boss. Celui-là. Wilbur. Alors, les boutons, c'est sauter, attaquer... Oui, c'est bien. Là, il fait pleuvoir du feu. Ok, elle est où la boulette? Elle est là. Ah, bah direct. Parfait. Il est pas compliqué, c'est juste que quand t'as les boutons qui arrêtent de réagir de temps en temps sans prévenir, ça rend le jeu un peu moins sympathique. Surtout quand t'as du timing. Aïe. Voilà. Pardon. C'est pas le moment de traîner sur le sol. Ok. La boule est là-bas. Vite. Vite. Ah, elle était à côté du bouton. Ah, c'est pas grave. Youhou. Ok. Donc là, elle va tomber où? Sur moi. Pas grave. C'était un peu le mauvais moment à passer. Là-bas. Je suis obligé de la balancer de l'autre côté. Bah. Deux fois. Donc l'œil va ressortir. Et là, le timing est important. Ça accélère à chaque fois. Sérieusement? What? Ouais, la vitesse est un peu démente là, mais c'est pas grave. Yaha! Yaha! Bouit, bouit, bouit! Yaha! Et donc, dernière phase. Ouh, la boule est en premier cette fois. C'est pas grave. A priori, là, on va se refaire une phase avec l'œil. Et je vais essayer de pas mourir. J'ai plus rien à bouffer. Ok, le timing, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave. C'est gérable. C'est gérable, mais c'est quand même compliqué. Non, le problème, c'est que... Le moment où les cheveux touchent est très, 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 très bref, en fait. Comme vous voyez, là. Et du coup... un peu compliqué. Allez. Parfait. Bah. Et là, si vous regardez, c'est vraiment bref. Mais on va y arriver. Peut-être appuyer vachement plus tôt que ce que je crois en fait, tout simplement. Trop tôt. On peut être beaucoup trop tôt et on peut être beaucoup trop tard et... Et le beaucoup est pas large en fait. C'est un peu le problème.
Je vais voir si on pouvait choper l'œil, mais... Non. Bah... Ok. On va choper ça... C'est pas cette partie-là qui est difficile. Ce combat est maîtrisé. Peut-être. Sérieusement. Mais c'est n'importe quoi au niveau du... Il était derrière moi, ça l'a touché quand même. Donc là, on n'a pas trop le choix. Là, c'est moi qui l'ai déclenché et ça ne marche pas contre ça. C'est... Regardez les vitesses où ça va. Le fragment de seconde où je dois tirer pour le toucher, l'œil. Gère le cheveu. Les cheveux me font mal. Oui, merci, on sait... Un peu chiant. Les cheveux te font mal. Regardez-le. Et je peux pas rester appuyé, c'est-à-dire ça fait schlick, schlick. Et c'est le schlick qui touche, quoi. C'est rien d'autre. En plus, on commence pas full life. Ce qui n'aide pas, évidemment. On va peut-être sauter dessus si je sens pas en confiance, mais... Et là, ça... D'où ça m'a touché, je l'ai eu. Machin, même quand tu réussis, il te fait mal, quoi. Ouais, c'est ça, crache tes boulettes, va. Ok. Faut vraiment appuyer super tôt par rapport à ce qui semble être bon. Ça n'est pas du tout agréable. Mais tant que ça marche. Donc pas d'endurance la petite quand même. Hein. Allez. Là-bas. Oh, merde. Là, c'est ma faute. Allez, normalement ça c'est le... Troisième coup, donc a priori le dernier. On va voir. Et il commence déjà super speed. Dites-moi que c'est bon. Non, bien sûr. Alors j'espère que le coup de canon suffira à le tuer parce que je sens pas de refaire un coup d'œil super speed mais... Voilà, tue-le. C'est bon. Ouh. C'était compliqué. 10 minutes pour ça. Fantastique.
Ah, j'espère que je vais booster les stats après, hein, parce que là, ça ne va pas. Oui, bah ils sont libres. Ouais. Ouh, la faute. Non. Ah, je crois qu'il en restait un peu. Si c'est un souvenir, elle aussi, il y a un moment où... Ah bah c'est pas cool, c'est sûr, mais bon. Il y a un moment quand tu essayes de détruire une ville en abrutissant tous les habitants, ben... Ça ne marche pas. Ouais, je suis sûr qu'on la reverra. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Pouf. Ah bah si. Waouh, encore. Ah ouais. Mais elle en a pas besoin. Ah oui, c'est... Vous vous rappelez les gros blocs? Pouf, pouf. Les gros blocs en pierre ou un truc fissuré, eh bien je sens que maintenant on peut leur expliquer la vie. Enfin la vie. C'est une image. Évidemment. Évidemment. C'est beau. C'est moins beau, mais c'est réaliste. Pouic, 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 pouic. Et si on continuait cette machine? Mouaf. Ça a bien marché la dernière fois. Non, pas depuis les 3 secondes où j'ai commencé à chercher. Allez, on va parler à tout le monde, sauf à lui. Ok. Ok. Lampe C, bien sûr. La rue principale. Sérieusement, je sais qu'on est... Là, j'enregistre ça le... avant la sortie officielle du jeu, donc il y a encore des... un peu de lissage à faire. Mais quand même. Et donc elle voulait des œufs de monstre. Mais j'en ai un, non? Non, parce qu'apparemment... Ok. Ok, attendez. Ok, donc ça aussi, ça fait la magie. Donc apparemment, l'œuf de monstre que j'avais, je ne l'ai plus. Je suis peut-être mort entre temps en même temps. Ça, ceci expliquant peut-être cela. Les bains, bien sûr. Wish. Non. Bon, remarque, oui, allez. Effectivement, cet indice était nécessaire pour... rien. Cherche derrière le mur le plus à l'est de l'usine. Et toi? Dans les grottes en dessous de l'usine. C'est très bizarre tout ça. Coucou. Alors, je veux... faire mal plus vite. Voilà. Donc j'ai eu le shampoing. Ah ouais, ça va. Rien qu'avec ça, le boss d'avant, je l'aurais déboîté quoi. Ah, Roti Tops. Ça c'est cool.
Mouf. Quelque chose de bien. Bon, ça va, déjà, il te mange pas le cerveau, c'est sympa. C'est pas con, ça. Elle me rappelle quelque chose, ces deux-là, mais... Voilà. Ok. Donc clairement, il faut que j'aille... Il faut que je retourne dans la mermaid machin pour, avec la magie de feu, que je n'ai pas, pour récupérer des steaks de Gator pour elle qui vont me donner un billet pour la course. Et après, c'est l'autre qui est compliqué. Hein. C'est... Ah. Du coup, Sky... Du coup, je vais où, là? Dans l'usine ou dans la... On va essayer l'usine, donc c'était le mur le plus à droite, je crois qu'il avait dit, le gars. Bon, de toute façon, avec la nouvelle transformation, on aura accès à des nouveaux trucs. Oui, sauvegarde, sauvegarde. Ce serait bien d'avoir une option pour que ça ne demande pas. Parce que, honnêtement, des fois, on veut tout le temps sauvegarder, quoi. Ok, what is that? What? Ok, ça c'est fait. Du coup, je me demande si je peux aller en bas. Et si j'y ai pas déjà été. Non, j'y ai pas été. Youhou! Il est mignon, le crabe. Et on peut pas se retransformer sous l'eau. Roger. Ah ouais, on fait 6, on fait pas 5. C'est très différent. Je crois qu'on l'avait pas le crabe en fait en arrivant ici avant. Ouais. Clairement là, on ne l'avait pas. Ok, je peux donc pas monter là. Je peux pas passer là. Il y a plein de choses qu'on peut pas faire encore. C'était prévisible, mais quand même, quoi. Ok, toi. Ah ouais, mais elle est drop, quoi. C'est. Ah, c'est bon, ça. Ok. J'espère que je peux pas me noyer. Peut-être qu'après j'aurai un crabe plus plus qui pourra nager mieux ou grimper au mur. Un peu comme avec le truc du singe, quoi. Genre la boule de singe, là. La balle de singe. Peut-être trouver la pince de crabe. Non, c'est bon. Pas besoin, pas besoin. Je suis obligé d'aller voir partout, hein, je suis désolé. Aou! Sale bête. Ah non, ça me ramène là. Ah. Peut-être qu'après je pourrais combiner le singe, l'éléphant et le crabe. Ah ouais! Vous ne savez pas ça.
Ça peut être bon à savoir quand il y a des ennemis sous l'eau. Genre les poissons qu'il y avait la dernière fois, qui ont failli me faire mal. Yeah. Et y'a. Ouais, donc ça, ce sera pour plus tard, clairement. Ok, elle choisit la hauteur des... Saleté. Je vais faire un rôti de sirène dès que j'aurai les... la capacité pour... Hop là. Par contre, par là, il me semble que c'était pas la suite. Donc c'est là qu'on va aller en premier. Et il me semble qu'il y avait... Ouais... Est-ce que c'est là qu'on a eu le crabe ou est-ce que je me trompe? Non, c'est pas là qu'on a eu le crabe. Onk, onk, ponk. C'est moins mignon, mais ça va, c'est efficace. Ah ouais, carrément. Me dis pas que je dis au revoir au crabe. Ah ouais, il y a plusieurs pages en fait. Ok, donc ça a l'air plus intéressant. Mais vous voyez, c'est pareil. Ça permet de nous déplacer librement sous l'eau, mais c'est pas forcément mieux que le crabe, parce que ça permet pas d'entrer dans les petits... dans les petits emplacements. Quoi qu'il en soit, on peut pas le faire quand on est déjà dans l'eau. Oui, parce que danser dans l'eau, c'est compliqué. Wesh. Ouch. Et j'ai pas d'attaque. Et j'ai pas de défense. Là, je suis totalement vulnérable, en fait. C'est important. Ouais. Piouche. Donc. Là, pour le coup, il y a plein de choses à faire sous l'eau, maintenant. Genre ça, on peut toujours pas y aller. Vous voyez, c'est le jeu te tease un peu en te montrant les choses qu'il y aura plus tard. Parce que là, il y a un... Comment ça s'appelle ? Un passage, mais... Vu qu'on peut pas attaquer pour l'instant, on peut pas y aller. Ça, par contre, c'est faisable. Ok. Je pense pas qu'on fasse grand-chose dans cet épisode, à part battre le boss de... Mais par contre... On va explorer un peu. Bon, on a récupéré une transformation en plus. Ok, alors là, il me faut l'éléphant. Sous l'eau. On en reparlera plus tard. Où ça va, tout ça? L'éléphant. Enfin, l'éléphant ou une charge, hein, peu importe. Là, il y a des tunnels secrets que je cherchais, je crois. Ok. Donc on a quand même... Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. On a récupéré une mobilité complète sous l'eau, mais ça nous permet pas de forcément de tout... débloquer. Ce qui est rigolo. Yeah. Oula. Là-haut, c'est pareil. Il faudra l'éléphant. Et je pense que c'est de la magie blanche qu'on voit là. Je me demande si on peut pas activer ces machins pour que ça fasse apparaître une plateforme à un moment. On verra ça plus tard. Est-ce que ça marche ça du coup? Ah ouais, carrément bien en fait. On va s'en servir plus souvent. J'adore découvrir ces jeux. Il y a plein de petits détails, même si des fois ça m'énerve. Ça reste pas mal. Ouch. La magie tombe vraiment pas vite. Vous voyez là, si je pouvais faire passer ça
plus bas, ce serait pas mal. Mais a priori, on peut pas. Là, c'est la suite, je crois. Ouais. On va juste visiter là-haut. Je rappelle qu'il nous faut du pognon de toute façon pour. pour les. Bah, les améliorations. Merci. C'est marrant comme elle se dégonfle quand même, c'est. Wish. Wish. Olé. Vous savez quoi? Youhou. Et je. Attendez. Comment on fait déjà pour aller là-bas? Je suis pas sûr qu'on puisse. Non. Wow! Pas prévu comme ça, moi. Non, je suis pas sûr qu'on puisse aller dans la petite alcôve que j'ai vue. Il faudrait qu'on puisse planer. Ou alors qu'on arrive à être pile à la bonne hauteur. Et ce, sans savoir où elle se trouve. Trop bas. Eh là par contre. On peut se baisser là, je sais pas. Push. Je trouve ça très bizarre comme qu'il n'y a rien d'autre à faire ici. Peut-être que ces pierres, à un moment, on pourra faire quelque chose avec. Les chemins dans les murs. Ou alors c'est juste de la déco, mais. J'ai des doutes. Mais sauvegarde. Voilà. Ok, on est revenu là. Alors, je suis presque sûr qu'il n'y aura rien en dessous, mais je veux vérifier. Ah, il y aura carrément quelque chose en dessous en plus. Ok, c'est quoi ça? Alors, premièrement. Ok, j'ai pas le feu donc. Je peux pas les détruire. Enfin, les en faire des steaks. Par contre, là. Ça m'a l'air bizarre. Ok. Donc, quand c'est allumé, on n'attaque pas. Ok. Une drôle de tronche, ma sirène, pendant un instant. Et un blob fit. Saleté. Alors, primo. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, ça marche bien ça. Donc il me faut le crabe. C'est quoi ça? Ok. Donc on va récupérer des enfants blobfish. On en parle ou... Et là, rien. Aïe. Putain, c'est rude hein, le timing pour les chauves-souris là. Mais ça passe. Donc. Plouf. Sérieusement. J'ai aucune idée d'à quoi sert la moitié de ces trucs. Ou les trois quarts en fait. Mais...
J'ai les enfants Blobfish, je vois pas. Les âmes noyées, honnêtement, comment est-ce qu'on fait pour aller là-dessous? Ah, il faut pouvoir... Je pense que c'est à gauche. Merde. Et il fallait pouvoir péter du sol, en fait. Vous allez voir. Voilà, là, il y a des... Il y a des blocs d'algues dans l'eau. Ouais, le... je suis super synchro. Il y en a des secrets dans ces niveaux. Hein. Ouh. Plouf. Donc des blocs d'algues, encore. L'éléphant. Ah, c'est rageant de voir tous ces trucs qu'on peut pas faire. Quoi? Ok, je dois tester un truc là. Toi, tu t'en vas. En fait, j'ai pas essayé de m'accrocher. Ça s'est accroché tout seul. Ah ouais. Ok, bah j'ai appris un truc. On peut s'accrocher tout seul. Moi, je m'embêtais à appuyer sur haut et tout, mais... Que dalle. Mais ce n'est pas utile. Ah ah! Là, par contre... Alors, à mon avis, c'est Maman Blobfish. Ou Papa, j'avoue que... C'est grand-mère. Ok, j'ai réussi à me planter là-dessus, c'est pas grave. Ok, il faudra que je vois la version anglaise de cette phrase. Ah, j'en parlais tout à l'heure. Ah ouais, classe. Donc, il y a 5 Blobfish. Ah ouais. Ah oui, ça c'était pas la peine. Il y a 5 Blobfish et on peut maintenant faire le crabe. Comme ça. Est-ce qu'on peut? On peut, mais... Ça fait mal. En même temps, c'est avec des pics, hein, donc... J'ai plus de vie, cela dit. Faut que j'arrête de faire le con. Compliqué pour moi. Compliqué. Mais quel humour, mais quel humour. Est-ce que je reviens en arrière pour récupérer ce qu'on n'a pas pris avant aussi? C'est embêtant parce que j'ai plus beaucoup de vie. Mais en même temps... J'en trouverai peut-être. Ah là, y'a un... C'est un peu haut. Il y en a un. Quatre. Ça j'ai été. A priori, il n'y a plus d'ennemis non plus, donc... Si le cinquième est là... Je reviendrai pas forcément... non, il est pas là. J'allais dire, je reviendrai pas forcément au tout début du niveau. Je suis même pas sûr que ce soit possible, en fait. Hein. Simple. Bon, le cinquième est là. Je suis un enfant Blobfish. Mais du coup, est-ce que... Bon. Non, je vais pas revenir tout en arrière parce que j'ai plus de vie. Et... J'ai pas envie de mourir. Pas avant d'avoir aidé la grand-mère Blobfish.
Et puis ce sera notre dernière action de la journée, donc... On n'a pas fait beaucoup de choses aujourd'hui, il y a eu une grosse partie de la vidéo sur le pour le boss. Mais bon. Ok. T'as décidé de me faire le grand tour, toi. Hein. Oui. Eh oui, je les ai trouvés. Mon effrayance. Ah, carrément. Logique. C'est arrivé par la poste, donc ça doit être un truc qui vous intéresse, vous, les jeunes. Parce que... Bien sûr. Donc, il faudra re-explorer ce niveau. Avec le feu. On a 187, je sais pas si c'était 200 ou pas. On va essayer de choper juste un tout petit peu de pognon pour arriver à 200. Genre là. Ah, sérieusement. Le machin qui te troll, quoi. Voilà, 200. Et quelques. Sifflet. Normalement, je garde mon billet. Et il me faut du feu pour faire les steaks de Gator de toute façon, donc il n'y a pas vraiment de raison de continuer dans le niveau comme ça, puisqu'on va le refaire la prochaine fois. Salut Sky. Toi là. Oui. Et je gagne quoi? Ça, c'est pas mal. Donc il m'en reste 5. Ah, ça donne de la... Ok. Mais alors, vous les cas. Bon. Cool. Le magasin... Alors, boule de feu... Y'a pas un, comment ça s'appelle? Un super gros feu en plus de la boule de feu? Bon bah on va supposer que c'est ça. Allez, triple boule de feu. Et lance-flamme, c'est exactement ce que je voulais. Je peux pas l'acheter. Et donc ça, ça ressemble à... Ok. Ça ressemble à ça. Et si je me trompe pas, je peux le lancer dans le bain. Ce qui ne sert à rien. Donc, on va sauvegarder. Et j'espère que ça suffira pour faire des steaks de croco. De Gator. Autant pour moi. Voilà. On va s'arrêter là. On a pas fait de nouveaux niveaux, mais on a quand même fait pas mal de choses aujourd'hui, je trouve. Hein. L'air de rien. Ah, je peux choisir. Ah, c'est cool. C'est bien ça. Dans les jeux, des fois, on a des bonus. On pourrait, pour certaines raisons, vouloir les désactiver. On peut pas. Bah là, on peut. Voilà. On a sauvegardé. On arrête. Elf, génie, héros. Et oui, car ça revient sur cet écran. Et je vous dis à la prochaine pour probablement des steaks. Allez, à plus.